la plus grande prairie du globe s'étend de l'Europe aux confins de l'Asie, c'est la steppe eurasienne. Depuis l'ère glaciaire, elle abrite l'un des animaux nomades les plus étranges au monde, une antilope appelée Saïga. Ce nouveau-né n'a que 3 heures. Il n'est pas seul, ils sont deux, des jumeaux. Leur mère les a laissés là bien cachés dans les hautes herbes. Pour ne pas se faire repérer par les prédateurs, les petits Saïga ne doivent pas faire de bruit. Du moins, pas tant qu'ils ne peuvent pas marcher. Dès qu'ils tiendront sur leurs pattes, ils rejoindront le troupeau et entameront un voyage qui durera toute leur vie. Les antilopes Saïga sont une espèce toujours en mouvement, car encore plus que d'autres, elles ont besoin d'herbes fraîches pour survivre. Leurs longues pattes sont leurs meilleurs atouts pour affronter cette existence nomade. Leur museau a une drôle de forme, mais il leur permet de flairer les jeunes pousses à plusieurs centaines de kilomètres. Les Saïga mettent bas lorsque les prairies sont verdoyantes. La mère des jumeaux a donc tout ce qu'il lui faut pour nourrir ses deux petits en pleine croissance. Mais l'herbe fraîche n'est pas éternelle. Le troupeau se met de nouveau en route. Les petits tiennent maintenant sur leurs pattes. Il leur a fallu très peu de temps, à peine quelques jours, pour prendre des forces, s'aguerrir pour suivre le mouvement et suivre l'éternelle migration de leur espèce, gage de la survie de tous.